les amis. Ah, bonjour à tous. Bon. Ben là, on arrive au mois de mars. Enfin, bientôt. Hein. Dans quelques jours, c'est le mois de mars. Donc, oh là, quand vous avez de la mineuse, là, ce que ça fait, ça vous fait des tranchées jusqu'à la racine. La mineuse, c'est une mouche qui vient prendre sur les feuillages. Ça fond sur le feuillage. Et puis, ben, ça part dans le poireau. Et ça va jusqu'à la racine. Puis après, ben, au fil du temps, le poireau, il pourrit. Il meurt. Ça pourrit. Voilà. C'est ce que ça fait. Ben, ça va, je les sauve à temps. Hein. Oh là, ils sont pas mal. Donc voilà, bon, quand je disais, on arrive en mars. Et il y a Minette qui chasse là. Et les oiseaux, tu les laisses tranquilles. Quel coup. Moi j'irai caler plutôt dans le composteur là. Ouais, il y aura quelque chose dans le composteur. Ouais. Bah. Bon, oui, revenons à nos moutons, enfin du moins à nos poireaux. Donc là, moi je suis sous serre, donc c'est comme si j'étais fin mars. Hein, parce que quand on est sous serre, on avance d'un mois. Donc, Ouais. Donc, quand on est sous serre, on avance d'un mois, comme je disais. Donc là, les poireaux, fin mars, début avril, souvent ils commencent à partir en fleurs. Donc il faut les récolter et pour les mettre au congélateur pour éviter de les perdre. Voilà les mineuses. Voilà ce que ça fait. Là. Ici, là. C'est une larve en fait. Voilà. Bon, je pense que celle-ci doit être morte. Hein, ouais. C'est pour qu'elle est morte qu'elle est vide. Elle est vide. Donc la mouche est. Eh ben. Voilà, ici. Ça c'est la mineuse. Voilà. Là, on voit. Oui. Alors ça c'est la larve qui va faire des tranchées dans le poireau. Et ça, ben, comme je disais, regarde, voilà, que ça fait. Et au fil du temps, mais pourri, ben. Là, il est à moitié pourri là, hein, celui-là. Il va tranche par tranche. Hein. Mm. Et puis ben voilà. Donc sur un poireau qui fait 3 cm de diamètre, il va nous rester un. Enfin, c'est pas terrible. Hein. Vaut mieux les ramasser maintenant que tout perdre. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc en mars, on fait quoi? On prépare son terrain parce que les futures semis, les futures plantations vont arriver. Donc ici, ben, ici j'ai mis du fumier de cheval, hein, mon sac. Hein, vous connaissez l'histoire. Bon, ici, on ne peut pas faire balai de fumier. Donc, on est en pleine ville. Un sac pour granuler. Donc en mars, on peut commencer à faire un peu de pommes de terre. Moi je les ai déjà mis parce que sont en serre. Et en pleine terre, vous pouvez commencer pour les régions où vous craignez plus trop le froid, à Saint-Joseph, pour les pommes de terre primeurs. Planter quelques pommes de terre pour manger en salade, c'est très bon. Donc qu'est-ce qu'on peut encore faire au mois de mars? Ben, au mois de mars, on peut faire beaucoup de choses en pleine terre. La carotte, les pinards, les navets, les radis, les salades, les oignons, les poireaux d'hiver. À semer en mars. En serre ou dehors? Dehors, je parle de dehors. Hein. Ah là, tu parles de dehors, là. Ouais, ouais, excuse-moi. Que tout le monde n'a pas une serre. Non, voilà, c'est pour ça. Hein. Mm. Moi, qui a pas une terre, c'est dehors. Voilà, d'accord. C'est bon, je vais rien en serre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre? Ben, en serre, vous pouvez semer un peu de betterave. Des blettes, là, vous pouvez. Tout fin mars. Pour ceux qui ont des serres, vous pouvez commencer à engouler, à faire un peu de concombre. Tout fin mars, hein. Mais les concombres qui sont destinés à rester en serre, comme les tomates. Voilà, les tomates qui sont destinées à rester en serre, c'est toujours semé un peu avant que ceux qui vont dehors. C'est logique. Pareil pour les courgettes. Si vous mettez de la courgette en serre, vous pouvez semer tout fin mars, mais vraiment les derniers jours de mars. Hein. Pour les haricots aussi, Jaco, comme on avait fait la saison dernière. C'est pareil, tout fin mars, vous pouvez commencer à en semer. En godet ou en pleine terre. Je crois que c'est mieux sans godet, comme ça au moins vous les protégez dans les caisses polystyrène ou sous voile. Et puis voilà. Et puis vous la piquez à la mi-avril. 15 jours, 3 semaines après pour le haricot. Environ. Je vais vous montrer mes salades. Avant, on explique pour les pommes de terre en serre, là, ce qu'on a mis, peut-être. Là, j'ai mis de la pénice. C'est une pomme de terre qui est précoce, 80 jours. De façon à ce qu'elle pousse assez vite. Que je libère la place pour y mettre mes tomates. Mmh.
tous les combien? Oh, c'est tous les 25, tous les 25, 30, hein, voilà. Et ils sont enfoncés de ben, les sillons. Hein. Voilà. Et je fais mes sillons avec ça. Voilà, avec ça. C'est un cœur. Un butoir. Voilà. Donc, je fais un sillon avec ça, je mets la patate dans le fond et je rebute tout de suite. Comme ça, ben, je m'en occupe plus, elle pousse. Elle se démerde, en fait. Donc là, ben, là c'est à un côté, je vais vous montrer mes salades. On y va, Jaco. Y aller. Viens-y voir. Viens-y, je vous invite. C'est bienvenue gentil. Chez moi. Donc voilà. Elles sont déjà belles. Hein. Ben ça, c'est des salades que j'ai repiquées il y a 3-4 jours. Elles sont belles. Et vitesse que ça évolue. Hein. Ouais. Dès qu'on a la température idéale, ça. Ah, tout de suite. Hein. Ça y va. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Donc je vous avais dit, dès qu'il commence à faire des nouvelles feuilles, comme là, ça commence à faire une nouvelle feuille. Donc là, ça veut dire que c'est bien parti. Et bien, il faut refaire un semis. Voilà. Donc là, j'ai refait un semis. Bon, j'ai remis trois variétés. C'est bon. Hein. Bon, c'est pas lui, hein, j'ai payé. Ben non. Pas exagérer. Mais... Là, les petits pois, ça commence à germer un petit peu. Hein. On commence à les voir. C'est des pois verts, hein, c'est pas des rouges. C'est des pois verts, oui. Mmh. Voilà. Ici, par contre, bah, ceux qui sont... Restés, qui ont échappé au mulot, ça y est, ils sont en train de... Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais bon, il y aura ce qu'il y aura. Voilà. Tant pis. Allez. Donc, combien de salades pour deux personnes au foyer? J'avais dit 24 salades. À peu près, oui. Après, c'est selon si vous aimez beaucoup les salades, ou pas trop, si vous en mangez de temps en temps. Ou... Chez nous, c'est des salades... Tous les jours, ou le midi, ou le soir. Oui. Voilà. Il y en a automatiquement dans le repas. Donc, en premier repiquage, j'en mets deux lignes, c'est-à-dire à peu près 24. Et après, dans mon deuxième semis, j'en plante une ligne. Dans mon troisième semis, j'en plante une ligne. Et puis, cinquième semis, ben, il remplacera le premier semis. Voilà, c'est comme ça que je fais mon roulement. Donc, c'est-à-dire que je me prends une bande, comme j'avais fait l'année dernière, je prends une plate-bande, il n'y a que de la salade. Et je plante les premières salades. Et puis au fil du temps, les semis, ben, je leur pique, et puis quand je récolte, ben, je leur plante derrière. Comme ça fait que toute la saison, j'ai ma planche de salade, qui reste toujours à la même place. Et ça ne vous empêche pas, en cours de saison, de remettre un petit peu de compost, de granulé de fumier, ou voilà. Bien sûr. Voilà, pour motiver les remplaçants. Voilà. Donc là, on arrive en mars. En mars, on met les oignons, pour ceux qui n'ont pas encore mis. Les oignons, les échalotes, l'ail rose, carottes de printemps. Tu l'avais déjà dit, là? Oui, tu l'as déjà dit, les carottes, oui. Bon, ben, c'est une répète. Les choux aussi, peut-être, Jaco? On peut commencer le semis de choux. Alors, pareil, attention, il y a des choux à semer un peu plus tard. Vous avez les choux de printemps qui sont à semer à l'automne. Après, ben... Après, ce qu'il y a, c'est que ben, quand vous voulez faire vos semis, vous regardez hein, derrière vos sachets, hein, vous avez les dates. Et puis le souci avec des choux, quand on les sème tôt, il va arriver un moment où vous allez tomber dans la pierrette du chou. Ça c'est un problème. Ouais, ouais. C'est un sacré problème. Sauf pour tout ce qui est brocoli, tout ça pousse assez vite. Hein, souvent, on va récolter juste avant. Mais quand arrive la pierrette du chou, au mois d'août, donc le filet, hein, obligé, prévoyez un filet ou... Comme pour les poireaux. Ça c'est bien, mais ça chauffe en dessous. Ouais. Il faut un filet anti-insecte. Hein. Ouais, c'est mieux. C'est l'idéal. Ça peut être un filet qui a des mailles pas toutes fines comme une autre, ça peut être un tout petit peu au-dessus, mais pas des gros carrés, ça, c'est pour les oiseaux. Donc voilà, sinon le dicton d'ici, c'est sème ton chou en juin, tu n'en manqueras point. Se met en juin, repiqué en juillet. On l'a récolté, bah souvent le chou c'est pour l'automne, enfin fin d'automne, début d'hiver. Donc voilà, semis en juin c'est mieux. Ben, c'est mon avis, après voilà, si vous avez des choux, après les sauces. Voilà, donc maintenant il y a aussi le poireau d'hiver. Là maintenant, au mois de mars, on peut le semer, en pleine terre c'est mieux. La terre est assez chaude et puis... Un filet. Toujours un filet. Pour la mineuse, hein, comme vous avez vu dans les poireaux là-bas, ils ont été découverts au mois d'octobre. Ben, ils étaient nickel. Oui. Donc, mais on n'est pas les seuls à avoir le tour. Hein. C'est... Apparemment, maintenant, on a tout le temps. Oui. Donc, un semis de poireau,
Il y a des régions où c'est pas encore arrivé, la mineuse, ou très peu. Et dans les Hauts-de-France, la Belgique, tout ça, c'est horrible. Elle s'est installée. Et je crois que c'est les pays de l'Est aussi. Ça vient des pays de l'Est, je ne me trompe pas. Peut-être que ça vient des pays de l'Est et puis ça commence à envahir. Bon, voilà, donc échalotes, oignons, ail rose, pour en haut en pleine terre, ou en pot, si vous mettez en pot, prenez toujours un gros contenant. Pour la racine, j'ai expliqué. Hein. Tu l'avais déjà expliqué. Mais s'il y a pas, parce que le porc, il va rester plusieurs semaines. Si tu arrives à cette taille-là, il faut un moment. Il faut quelques semaines. Hein. Donc la racine, ils vont arriver à un moment où ils n'auront plus rien à bouffer. Vous avez dépoté votre barquette, vous n'aurez que de la racine. Et des poireaux qui vont dépérir, jaunir. Et voilà. Donc si vous voulez avoir des beaux poireaux, un contenant assez profond. Voilà. Comme ça, on est 3 litres, ça, c'est nickel. Hein. Là, je peux laisser jusqu'à moins de mai, hein, sans problème. On est en février, fin février. Je peux laisser en mai sans problème. Donc de la place pour développer de la racine. Si je les mets en contenant comme ça, donc là, dans 15 jours, ça, ils occupent tout. Voilà. Sinon, après, vous mettez. Un coup, j'avais mis ça dans des barquettes à godet, là. Une petite barquette épais comme ça. Puis j'avais mis toutes mes barquettes posées sur le sol. Et puis ben, quand ils étaient assez beaux, je me souviens, c'est nickel, je vais les repiquer. J'ai pris les barquettes, et en tirant dessus, mais les poireaux ils restaient par terre. J'avais les barquettes vides, le poireau il avait été cherché dans le seau. J'avais des barquettes vides. Et le poireau il s'était repiqué tout seul. Et des fois on fait des scrolls. Ah bah oui, bien sûr. Donc alors voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ah, un petit peu, parler un petit peu aussi des quantités pour, par exemple, deux personnes ou une personne. On va parler de la tomate, peut-être. La tomate, pour deux personnes, je conseille une dizaine de pieds. Une dizaine de pieds. Ouais, voilà. Donc vous n'avez pas beaucoup de place après, si vous voulez. Plus, bien évidemment. Voilà. Bon, quand je vous parle de ça, c'est pour faire surtout de la consommation directe, pas pour faire de la conservation. Si vous voulez faire des coulis, tout ça, vous en faut beaucoup plus. Il en faut beaucoup plus. Là, je vous parle de légumes de saison pour manger tout de suite. Voilà, pareil, quand vous faites un semis de navet, vous n'allez pas faire 4 lignes de navet. Hein? Parce que vous avez un paquet de 2 grammes qui vont semer 2 grammes. Vous faites votre petit sillon, vous semez 5-6 mètres, et puis bon, vous ferez plus tard. Et puis vous ramassez au fur et à mesure, et bon, vous mangez. Ouais. Et si vous voulez, ben, au fur et à mesure, vous pouvez aussi congeler les navets. Je peux vous dire que vous semez un navet en mars, et puis vous en aurez. Toute la saison, c'est. Non, pas les. Il va devenir immangeable, et puis de toute façon, en dessous, il va se faire bouffer. Voilà, vous allez avoir des taupins qui vont être dedans, et des limaces qui vont rentrer dedans. Ça va être. Manger, puis c'est meilleur. C'est meilleur, tendre, bien hein. Sûr. Donc, c'est les légumes tendres. Pareil pour les carottes, Jaco. Les carottes, c'est pareil. Carottes, c'est pareil. La carotte d'hiver. Vous n'allez pas semer la carotte d'hiver maintenant. J'appelle ça, c'est de la colmar, de la chile, de la carotte de conservation. Ça, là, il plutôt semer fin mai. Fin mai, début juin. Voilà, ça sera. C'était bien de le préciser. Ouais, parce que là maintenant on met la carotte d'été, c'est-à-dire la nantaise, la touchon, les petites carottes comme ça, je crois qui. Carottes hâtives, hein, pas avec quoi sative. Ça qui pousse vite, on consommer l'été en carottes râpées. Et en purée de carottes ou. Voilà, le céleri. Vous pouvez le semer maintenant aussi en barquette, pas plein de terre, en barquette. Au chaud, parce que ça, faut que ça lève, c'est assez long à lever, c'est de la graine très fine. Alors si vous en faut pas beaucoup, ce que je vous conseille, c'est de ne pas les semer, c'est plutôt d'aller acheter du pied, du plant à repiquer, en jardinerie ou en supermarché ou un petit producteur, ce que vous avez près de chez vous, voilà. Parce que c'est assez long à pousser, c'est assez délicat aussi. Hein? Donc c'est beaucoup de travail, si vous en mettez que 5-6, acheter sur un marché. Ouais. Il vaut mieux. Voilà, parce que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Les fleurs, Jaco. Des fleurs, ouais, des fleurs, c'est pour des fleurs. Bah oui. Donc, là, ça va être le moment en serre si vous voulez commencer vos tournesols en godet. Vous commencez un petit godet de 7. Vous mettez 2 graines. Vous attendez que ça lève. Pour garder le plus beau, vous dédoublez. S'ils sont beaux tous les deux, vous dédoublez. Vous les repiquez dans des pots plus gros. Moi, je les mets en pot de 14. Un pot gros comme ça, à savoir qu'un tournesol c'est une grosse fleur. Voilà. Et puis au mois de mai, je les sors quand ils sont hauts comme ça. Je les sors de serre hein, quand ils sont hauts comme ça. Comme ça, ils vont échapper aux limaces et aux prédateurs.
par contre, si vous n'avez pas de serre, faites un semis en pleine terre. Vous pouvez en pleine terre directement. Ça va pousser. Non, c'est... Souvent, ça repousse d'une année sur l'autre. Ouais. Pot de senteur aussi. Pot de senteur. En pot, en godet aussi. Ouais, ou alors en place directement. Mm-hmm. Ouais, mais enfin, c'est pareil. En place senteur, directement. Si vous les faites maintenant, faites-les tremper. Parce que là, l'écorce, elle est dure. Hein? Donc, en principe, on les fait à l'automne. Pour bien. En octobre, on commence à les semer. Ça, ils ont le temps de remoulir et de germer doucement. Et si vous les faites maintenant, faites-les tremper une nuit. Dans une eau tempérée, hein, température ambiante. Mais là, nous, cette année, en octobre, ils étaient encore en cours de séchage, les pots de senteur. Oui. Ouais. Et après, vous avez aussi l'avater. L'avater, vous avez du cosmos. Cosmos, zinnia. Du zinnia, oui. Ils ont plein de sortes de zinnia. Les œillets d'Inde, roses d'Inde. Plus tard. L'œillet d'Inde, attendez, plus la mi-mars. D'accord. La rose d'Inde, pareil, ça pousse vite. Et puis voilà. Puis après, c'est vous mettez les fleurs que vous désirez, hein, les fleurs d'été. C'est selon ce que vous aimez et ce que vous voulez mettre dans votre jardin, bien sûr. Les bisannuelles, c'est plus à semer en milieu d'année, hein, vers le mois d'août. Hein, comme les pensées, les campanules, la grosse cloche, tout ça. Ça, c'est plus à mettre en fin de saison. Pour les appliquer à l'automne, pour qu'ils fleurissent printemps-été. Mm-hmm. Rudbeckia aussi, du rudbeckia, c'est beau. Semez du rudbeckia. C'est vrai que c'est beau du rudbeckia. C'est beau, ouais. Mm-hmm. Puis il y en a plein de sortes aussi. Le Indian Summer, le Tricolor, avec plein. Marmelade. Et Toto, c'est petit. Pas Toto, la blague. Rudbeckia, hein. Rudbeckia, Toto. Là, c'est du petit rudbeckia, c'est magnifique. Il y a une petite fleur, on la met en bordure, c'est beau. Des alices. L'alice, c'est beau, l'alice. Et si vous allez en jardinerie chercher des fleurs, essayez de trouver des lobularia. Le lobularia, c'est de la même famille que les alices. D'abord, c'est la même fleur. Par contre, ça devient énorme. Ça devient énorme. C'est beau, c'est magnifique. En plus, ça sent bon. Lobularia. Lobularia. Mais l'obélia aussi. L'obélia, c'est très beau. Vous pouvez en semer maintenant. Voilà, on va acheter au printemps. Hein. Pour tous ceux qui n'ont pas la patience de faire pousser tout ça, vous pouvez acheter carrément du plant, mais attendez. Faut attendre un peu là du coup. Vous attendez les 5 glaces, mais en même temps vous achetez ce qu'il vous faut. C'est l'obélia, bleu et blanc. Il y en a du bleu et du blanc. Et même du bleu et blanc. Mm-hmm. Ouais. Ah ouais. Et bien, Jaco, on a eu quelques questions à propos des plaques jaunes aussi là. Ah oui, j'avais parlé des plaques bleues un jour. Oui. Pour les mouches blanches. Oui aussi ça. Donc au boulot, le représentant est venu, j'ai dit tiens, on va essayer les plaques bleues pour les mouches blanches. Il m'a dit normalement c'est ce qu'il faut. Il est parti, on a essayé, j'ai mis des grandes plaques blanches au-dessus des. Bleu. Des grandes plaques bleues pour les mouches blanches. C'est rien, c'est pas grave. Alors, comme j'avais du bouturage de sauge, Dancing Flame, ça je sais tout ça, mais ça va pas vous paraître trop. Et les secoues, ça partait en nuages, les mouches blanches partout. Alors, j'ai mis les plaques au-dessus, j'ai secoué les sauges. Et bien, elles allaient partout, sauf sur les plaques bleues. Donc, n'achetez pas de plaques bleues pour les mouches blanches, ça ne marche pas. Non, mais par contre, ils sont allés sur les plaques. Voilà. Alors là-dessus, ils ont fait le boulot. Hein. Ah ouais, ici, vous avez de la mouche blanche, là. Il y avait du moustique, la grosse mouche, une petite mouche de terreau. Voilà. Après, ben voilà. Hein. Vous grattez tout ça. Vous mettez ça dans un plat. Oh. Les grosses mouches, ben, vous les farcissez avec les petites mouches blanches. Ça, c'est délicieux. C'est dégoûtant, chacun. Ouais. Donc voilà. Là, ça fait le boulot. Donc voilà. Donc les plats bleus, évitez. Bah ouais, j'ai cru, coup, hein, j'ai cru le représentant. Donc là, les plaques jaunes, bah, vous pouvez en trouver quasiment partout hein, maintenant en jardinerie. On commence à en voir partout. Elles ne sont pas carrées, elles sont rectangulaires. Ouais, c'est, hein. Là, c'est des rectangulaires. C'est parce qu'on les a coupées en deux. En deux ouais. Et on en voit, commence à en avoir partout parce que c'est un moyen assez naturel voilà. De se débarrasser des insectes qui font du dégât, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de produits phyto, et heureusement. Ah oui, heureusement. Voilà. Ouais. Nous, au boulot, c'est pareil, il n'y a plus de produits phytos. Non, c'est terminé tout ça. Hein. Ouais. On utilise des produits naturels. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Bon, je crois qu'on n'a rien oublié, Jaco. Ah si, il y a encore les arbustes à fruits rouges. Les petits arbustes à fruits. Ça, il y a encore temps d'en mettre aussi. En mars.
Par contre, si vous mettez en mars, pendant quelques semaines, n'oubliez pas de bien les arroser si vous êtes dans un endroit où il ne pleut pas trop, parce que ça va souffrir. Les fruitiers, les grands fruitiers, bon, bah, ça va être la dernière limite aussi, la dernière ligne droite. Mais bon, déjà, ça va être difficile à trouver déjà, en racines, mais plus beaucoup. Hein. Peut-être des soldes, on voit. Ouais, peut-être. Allez voir dans les larguerie, peut-être que vous allez trouver. Pépiniéris aussi. Voilà. Ce qu'il y a à faire en mars. Et puis bien sûr, pour ceux qui l'ont préféré à l'automne, amender votre terrain. Il faut nourrir la terre pour qu'elle vous. Oui, quand même. Hein. Il faut nourrir la terre pour que la terre nourrisse l'homme. Oui. Et la femme aussi, bien sûr. L'être humain. Et voilà. Je vais faire le tour, Jaco. Je vois que là-bas. C'est les oignons là-bas. Les oignons. Les oignons, je vois qu'il y a un petit germe vert. Tiens, je vais faire. Hop là. Voilà. Voilà, ça passe. Et ça y est, ouais, je vois là-bas. Oui, d'accord. Bah, je vais pas passer là parce qu'il y a le. Il y a le voile et je voudrais pas prendre mes pieds dedans. Bon, est-ce que tu as tout dit? Ben, j'ai dit les grandes lignes, après c'est vous qui voyez. Ouais, ben oui. Je ne parle pas de tous les légumes parce que sinon je vais mettre 3 jours. Ben après, oui, après c'est selon ce que vous aimez, ce que vous voulez. Voilà. Et puis, je répéterai toujours, il y a les dates de semis sur les paquets. Voilà. Donc c'est selon votre région. On n'hésite pas. Voilà. Nous, on a un climat océanique. Donc nous, souvent, on avance les semis de 10 jours. Si vous êtes intérieur des terres, souvent, il faut reculer 10 jours par rapport à la date du paquet. Il faut décaler un peu. Il y a toujours quelques degrés de différence. Voilà, parce que l'intérieur des terres, il fait plus frais. Mmh. Voilà. Voilà, je mange tout. Les araignées. Ouais. Ça, c'est bon pour la nature. On est bon, Jaco ? On est bon. Voilà. On vous dit à très très bientôt. Ben, à la fin de semaine pour notre semis de tomates. Eh oui, bon jardinage à tous. Voilà.